La prière du matin la plus forte, la loi du Seigneur est parfaite. Nous commençons par invoquer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Bienheureux ceux qui se réfugient en lui. En ce jour, je te remercie, Père Céleste, pour les bénédictions que tu me donnes toujours et celles que tu me donneras en ce jour. Aujourd'hui, je vous demande de continuer à me protéger. Tu sais que sans toi je suis fragile et faible. C'est pourquoi je me confie à vos soins affectueux. Je me remets entre vos mains et je mets aussi la vie et la santé de mes proches entre vos mains. Vous savez, monsieur, que ce monde où règne la violence et l'insécurité, elle nous angoisse et nous remplit de peur. Mais je sais qu'avec toi à mes côtés, tu me donnes la force et la tranquillité d'esprit pour vivre sans peur et avoir confiance en ta protection. Père divin, guide mes œuvres et paroles de ce jour. Que je sois à ton goût et que je sois le porteur de ton amour et de ta joie. En ce jour, je vous demande d'éloigner de moi toute inquiétude, toute anxiété et toute peur. Il a placé ma confiance et mon destin en toi. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Parce que je sais que vos plans sont parfaits, monsieur. Bon Père, je vous demande de me bénir avec la prospérité financière. Laisse l'argent couler et s'installer dans ma vie. Remplis à moitié de joie pour que tous ceux qui viennent à moi et vivent avec moi trouvent un peu de toi. Donne-moi une journée heureuse et apprends-moi à partager ton bonheur. Chassez de moi tout obstacle dans ma santé, dans ma vie affective et financière. Et tout ce qui essaie d'empêcher mon bonheur et ma prospérité. Chassez tout esprit de tromperie, tout ce qui vous empêche de jouir de vos promesses, que tout cela soit annulé aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je veux que tu gouvernes ma vie, mon corps, mon âme et mon esprit et je veux être guidé, enseigné et protégé par ton pouvoir à travers ton Esprit Saint. Guide mon chemin à travers la lumière et puisque mes ennemis voient leurs plans diaboliques dissous, que mes ennemis... Libère-moi, mon Dieu, des personnes malveillantes et éloigne-toi de tout ce qui ne me rend pas heureux. Je crois en toi, mon Jésus adoré et bon, je te demande pardon pour toutes ces fois où je t'ai manqué et déçu. Vous seul savez quels sont mes vrais besoins, ce qui me manque tant, vous seul savez combien mon âme aspire à être vraiment heureuse. C'est pourquoi, mon Seigneur bien-aimé, je remets ma vie entre tes mains pour que tu puisses y intervenir. Donnez-moi, monsieur, la sérénité qu'ont les fleuves face au mal passager. La force du rocher qui supporte la tempête. La douceur de la fleur qui se repose dans les champs et les bases fermes de l'arbre qui résiste aux ravages de la tempête. Ce jour, monsieur, je serai ouvert à tout ce que vous avez à me donner et je le verrai comme une opportunité de grandir et d'apprendre dans ma belle vie. Aide-moi à respirer dans ton esprit et à expulser toute peur qui pourrait me faire douter et m'inquiéter. Parce que parfois le monde cause du stress, mais vous offrez la paix dont tout être humain a besoin pour vivre avec amour. Merci, monsieur, pour un autre jour.
Je te demande tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous induis pas en tentation et délivre-nous de tout mal. Dieu vous garde Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour toujours et à jamais. Point d'exclamation Amen.